et Timothée Gestel. Ils sont mes cousins. Timothée est là avec Marie-Thérèse et Anne-Charlotte. Ils habitent l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Au troisième étage, tout près du Seigneur, et tout près des combles de cette maison, et que vous allez voir régulièrement pendant cette année. Soyez les bienvenus, les amis. Votre présence est pour nous une bénédiction, vous savez. C'est vraiment un cadeau que nous prenons. Donc, Olivier étudie en théologie et Timothée a fini sa théologie. Il a fait de philosophie et maintenant il est prof de philo. Il prépare la grève. Bon, bienvenue. Bienvenue à chacun sur la calèche. Je sais qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait Raphaël qui était là, Guy qui est là, voilà, nos habitués, les gens se connectent et se connectent et suivent le culte en communion avec nous, avec chacun d'entre nous. Vous faites vous aussi partie de la communauté et nous sommes ravis que cette communauté dépasse les frontières, soit plus grande que notre chapelle, soit plus grande que notre église, soit plus grande que la géographie, parce que c'est une communauté des enfants de Dieu et vous êtes les uns et les autres les bienvenus. Nous allons avoir un culte raccourci, vous le savez, parce que c'est jour d'assemblée générale et donc nous aurons ça. Mais nous bénéficions quand même dans ce culte raccourci de la présence de Père Cantum et pour éviter qu'il nous contamine en nous chantant, en nous réjouissant le cœur, ils se sont mis à l'étage et c'est une mesure de bienveillance à notre égard, à la fois pour que nous soyons baignés de la musique et en même temps de manière sécurisée pour les uns et les autres. Donc seuls ceux qui sont ici au micro parlent sans masque. Et j'invite donc Olivier et Timothée à venir pour nous vivre la liturgie. On se demande souvent quelle peut être la volonté de Dieu pour nous. Écoutons ce court passage de la première lettre de Pierre. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. C'est une parole de Dieu pour nous ce matin. Amen. Je vous invite à la prière. On dit, Seigneur, que tu nous parles. C'est vrai, je le crois. Mais moi, je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit, Seigneur, que tu te manifestes, c'est vrai, je le crois, mais moi, je n'ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. Les seuls visages que je vois, ce sont des visages fraternels qui rient, qui pleurent et qui chantent. On dit, Seigneur, que tu fais route avec nous. C'est vrai, je le crois, mais moi, je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent le vent, la pluie et le soleil. On dit, Seigneur, que tu nous aimes, c'est vrai, je le crois. Mais moi, je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Pour recevoir le pardon de la part du Seigneur, nous pouvons nous lever.
Ainsi parle le Seigneur. C'est moi, l'Éternel, qui t'offre ses voix, ses visages, ses compagnons, ses mains et ses cœurs fraternels. Par ses frères et ses sœurs, assis là à côté de toi, je suis, moi, parole et présence, Emmanuel, Dieu avec vous, au plus proche de vous. C'est mon joyeux service, je vous invite à vous lever et à chanter le cantique 4405. Le texte qui va guider notre méditation de ce matin, qui va nous porter pour, je l'espère, notre assemblée générale et notre année, est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 20. C'est le texte du jour qui nous est proposé dans le lectionnaire, les versets 1 à 16. Et j'invite Marie-Thérèse à mener son ministère particulier. Donc Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître de maison sortit tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire à leur payer, une pièce d'argent par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9h du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez vous aussi, travaillez dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent.
le maître de maison sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient là. Il leur demanda : « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, » répondirent-ils. Il leur dit : « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le maître de la vigne dit à son contremaître : « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers embauchés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le maître et disaient : « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as payé comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le maître répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour ? Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier embauché autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent ? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon ? Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Oui, mais quand ? Après notre mort, à la fin des temps, quand les hommes auront détruit la planète, quand le Christ sera revenu, les chrétiens que nous sommes ont pris l'habitude de penser au royaume de Dieu comme quelque chose qui n'arrivera pas. Renvoyé au calendrier grec, sous-entendu, cela n'arrivera jamais, ou en tout cas pas de notre vivant. Et ce grand soir du renversement, cette inversion des situations quand les premiers deviennent les derniers et réciproquement, cette révolution des 100 grades, c'est pour où ? Dans l'au-delà, ou ici et maintenant sur Terre ? Est-ce une révolution ou est-ce une révélation ? Je veux ici absolument rappeler 2 ou 3 choses très simples à propos du royaume de Dieu. D'abord, je veux rappeler avec force que le royaume de Dieu ne commence pas à la fin du monde, ni même après notre mort, mais bien ici et maintenant, avec l'arrivée de Jésus dans notre vie et dans notre monde. Le royaume de Dieu s'est approché, dit Jésus, changé de vie et croyait à la bonne nouvelle. Il faut aussi rappeler que c'est la présence de Jésus qui inaugure, qui démarre le royaume de Dieu. « Je suis, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Le royaume de Dieu, donc, n'appartient à aucune institution, aucun groupe humain, même si ce groupe s'appelle l'Église. Parce qu'il n'existe que dans la foi et par la foi. Le royaume de Dieu commence là où quelqu'un croit en Jésus.
Donc ici, dans ce lieu, dans ce temple, ici et maintenant. C'est aussi simple que cela. Et notre parabole nous indique que cela se joue dans le monde, dans notre vie et dans le réel de notre vie. Et dans le lieu principal qui nous a servi et qui nous engage dans notre vie, à savoir dans notre travail, avec notre argent et avec notre désir de réussir. Par sa petite parabole, Jésus vient contester les trois lieux les plus prenants de notre vie, les trois lieux les plus asservissants, mais aussi les trois lieux avec le plus grand pouvoir attractif, voire fascinant, le travail, l'argent, la réussite. Asservissant d'ailleurs parce que fascinant, à cause de la fascination qu'ils exercent. Abordons les trois dans l'ordre d'arrivée dans notre parabole comme un approfondissement successif. D'abord notre rapport au travail, puis notre rapport à l'argent, et enfin notre rapport à l'efficacité et à la réussite. Commençons par la place du travail dans notre vie, dans notre existence. Avez-vous remarqué, en écoutant la parabole tout à l'heure, avec quelle obstination, quelle opiniâtreté le maître de maison cherche à recruter tous ceux qu'il croise? Pourquoi cette lourde insistance? Serait-ce parce qu'il a vraiment besoin de nous et que sans nous, rien n'advient? Ou serait-ce parce que c'est nous qui avons besoin de ce travail pour vivre, parce que par ce travail, notre vie prend du sens, de la signification. Une chose est sûre, en tout cas, Dieu veut que chacun, chaque personne, chacun d'entre nous travaille dans sa vigne. À ses yeux, le travail est une grâce, malgré la pénibilité. Et le chômage, un malheur. Et cela signifie que pour lui, la consommation n'est pas une option. Prendre sans donner, sans œuvrer, n'est pas une option possible au regard du maître. Comment réagissons-nous à cela au moment où nous allons commencer notre assemblée générale? Que pouvons-nous faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de moi, de nous? Suis-je disponible? Est-ce mon choix de me rendre disponible pour lui? Est-ce que je décide de le faire ou pas? Que se passe-t-il si je refuse de faire ce qu'il attend de moi? Attention, attention ici aux excuses bidons, du genre « Oh, personne ne nous a embauchés. On ne nous a jamais rien demandé. » Parce que le maître de maison, dit la parabole, est sorti encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, il fit de même. Et enfin, vers 5 heures du soir, il sort et trouve d'autres personnes qui se